Good morning. As you know, I'm the odd figure, so I'll speak to you in French, in English. Just to say that this time around, I don't think it's appropriate for me to deliver a speech of any kind. So what I would certainly like to do is to once again to thank Eric for the opportunity that you've accorded to us to come back here. You remember that last year we were here to discuss very important issues on sustained development in Africa, and we counted on your collaboration to organize the event. And we had promised that we would come back again to the same venue to discuss with you. So I'm very pleased with the opportunity, and I'd like also to thank the honorable ambassadors and representatives of the member states who are here, and all of you for your presence today. The theme, as introduced by my colleague Lott, is very important, and it's timely. Today we are going to discuss the trade-induced industrialization and the opportunities that and challenges that are associated with from several dimensions, including the regional integration angle. And also look at specific experiences from within and outside the region that could be scaled up with a view to ensure that indeed we address this serious issue. It's a call for action because given the excessive dependence of the region on the export of commodities, it's important that it industrializes because that is the only way to reduce its exposure. And it's only way also for it to create jobs. And jobs are an important agenda. So without further ado, I would wish all the panelists, and thank you for accepting our invitation to come here, a very successful conversation about this very important topic. Thank you very much. Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence débat. Merci d'être venu. Nous allons parler et échanger sur, comme l'a rappelé Monsieur le Directeur, sur les conditions qui vont permettre de rendre possible le rêve du « Made in Central Africa ». Comme vous le savez, ces discussions auront l'objectif d'informer le comité intergouvernemental d'experts qui se tiendra à Douala le mois de septembre prochain. Et l'objectif de cette plateforme, c'est de s'assurer que toutes les parties prenantes vont jouer un rôle qui est capital pour finalement façonner les industries et le commerce dans la région centrale. Dans notre analyse, nous ferons notamment référence aux bonnes pratiques dans la région, mais aussi sur le continent, et notamment dans la région est-africaine d'où je suis issue. Nous voulons aussi insister sur la nécessité de positionner ou de repositionner l'Afrique centrale dans les échanges mondiaux, d'une certaine manière à ce que la région puisse profiter finalement des opportunités qui sont mises à sa disposition et aussi tirer parti de certains secteurs compétitifs clés en fabriquant notamment des produits à haute valeur ajoutée qui pourront satisfaire le marché interne, le marché régional, mais aussi, pourquoi pas, le marché international. Donc, j'ai l'honneur d'accueillir sur ce panel des experts hétéroclites dans le domaine. Je suis avec son Excellence, Monsieur Basile Kintroy Achille, qui est secrétaire général auprès du ministère du Commerce au Cameroun. Merci d'être avec nous. Nous sommes avec M. Bounoung Fouda Boniface, qui est enseignant au département d'économie internationale ici à l'ERIC. Merci à vous. Nous sommes avec M. Tidjani Chetima, qui est économiste au sein de la CEA, Bureau sous-régional pour l'Afrique centrale. Merci. Et M. Narcisse Chassem, qui représente le groupe interpatronal du Cameroun, le JICAM. Merci à vous. Et merci à vous tous d'accepter de prendre part à ces discussions, comme l'a rappelé mon collègue Lott. Nous vous encourageons à interagir. Il y aura un moment pour les questions et les réponses
après les échanges avec les panélistes, mais aussi à interagir à travers les médias sociaux. Vous avez notre page Twitter, et puis on utilisera particulièrement les hashtags Afrique centrale ou Central Africa en anglais, et les hashtags CIE pour Comité intergouvernemental d'experts, donc CIE 2017 ou ICE 2017. Donc, sans prendre trop de temps pour l'introduction, commençons avec vous, Monsieur Basilikin. Alors, on observe au niveau international une redéfinition un peu des termes de l'échange ou des pactes économiques bilatéraux avec les États-Unis. On peut parler de la GOA notamment, ou l'Union européenne avec le G20. Et les principales puissances économiques ont rappelé, ont insisté sur le fait qu'il est temps, et là je cite Madame Lagarde, patronne du FMI, il est temps de créer au sud du Sahara les conditions pour que les gens puissent y évoluer, se former et générer de la valeur pour eux et leurs familles. Alors, ça, ce sont les puissances en dehors du continent qui insistent et qui mettent la question de l'Afrique, du développement de l'Afrique en priorité. Qu'est-ce qui se passe chez nous ? Est-ce que nos dirigeants ou est-ce que nous prenons conscience finalement du rôle ou du fait qu'il faut pour nous saisir ces opportunités qui sont mises à notre disposition et surtout comment est-ce qu'on utilise les accords de partenariat économique pour booster le commerce de produits, mais le commerce de produits à plus haute valeur ajoutée. Merci de m'avoir invité à ce panel. Je voudrais à mon tour féliciter le bureau de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique centrale d'avoir organisé cette opportunité d'échange. Je dois avouer que aujourd'hui, il y a un certain nombre de tendances que vous avez effectivement mises en lumière. Il y a d'une part le fait, et je pense que cela ne vous a pas échappé, la plupart de nos pays en Afrique subsaharienne se sont mis en fait à l'heure des plans d'émergence. Si on revient à l'Afrique centrale, il y a le Cameroun émergent, il y a le plan Gabon émergent, il y a le plan Congo émergent. Il y a tout un ensemble en fait de dynamiques d'émergence qui sont structurées autour justement de ce que la plupart de nos leaders ont l'ambition de faire de nos pays, de nouveaux pays industrialisés à un certain horizon et naturellement de mieux tirer parti de tout ce qu'il y a comme opportunité d'externalité pour renforcer notre présence dans les échanges internationaux, mais surtout davantage tirer pleinement parti des opportunités qu'offre le commerce international pour renforcer le bien-être de nos populations. Donc, ça c'est la première dynamique qui me semble importante et qu'il faut mettre en évidence, en dépit d'un certain nombre de contraintes sur lesquelles on va revenir. Le deuxième point qui me semble important également, c'est que il y a une offre renouvelée en direction du continent africain. Que ce soit les principales économies, elles se sont toutes lancées en fait dans la fourniture de ce que sont des schémas de préférence commerciale qui sont censés offrir des opportunités, de meilleures opportunités d'accès au marché sur ces pays. Vous avez opportunément rappelé les accords de partenariat économique. La GOA, il y a plus d'une décennie en fait que ce schéma a été offert, qui a été renouvelé l'année dernière. Il y a une offre préférentielle que la Chine a mise sur la table, l'Inde pareillement, le Canada. Bref, c'est vous dire que l'ensemble des pays industrialisés ont non seulement perçu le continent africain comme une terre d'opportunités en termes d'accès au marché, mais surtout on observe que parallèlement, dans la plupart de nos pays, il existe un processus de structuration de plans directeurs d'industrialisation. Parce qu'il s'agit effectivement de positionner le continent, de positionner nos économies, de les intégrer dans des chaînes de valeur et de s'assurer qu'on puisse effectivement donner un certain contenu du local à l'international. De façon à ce que cette dynamique qui consiste à importer parfois des biens intermédiaires, et cela ne vous a certainement pas échappé aussi, le monde aujourd'hui, on n'a plus besoin de maîtriser tous les créneaux liés à la production d'un bien.
Nous sommes dans une dynamique aujourd'hui qui est telle que un pays peut se retrouver dans un segment d'une chaîne de valeur et effectivement fournir le marché international et s'attirer un certain nombre de devises qui seront utiles pour le financement de son économie. Donc, évidemment, l'Afrique centrale s'est mise à l'heure du monde. La CEMAC, de ce point de vue, a effectivement articulé aussi un plan d'une vision de la région émergente à l'horizon 2030. Donc, c'est vous dire combien il y a véritablement une grande mobilisation, une certaine sensibilisation, en fait, aussi bien de la part des pouvoirs publics que de nos opérateurs économiques qui, aujourd'hui, estiment qu'il est temps de pouvoir tirer parti de toutes ces opportunités commerciales. Exactement, mais l'un des risques aussi de ces accords de partenariat économique, parce que ça va dans les deux sens, c'est une ouverture de la région, mais une plus grande ouverture de la région veut aussi dire qu'on laisse rentrer des produits finis étrangers qui sont, eux, produits avec subvention de l'État, par exemple, et qui vont arriver sur nos marchés et faire une compétition, je vous laisse décider si elle est juste ou pas, faire une compétition à nos produits locaux. Est-ce que finalement, comment est-ce qu'on met des garde-fous en fait contre cela? Alors, moi je me fie tout simplement à ce que dans le contexte camerounais on a pu faire par rapport à l'APE. On a libéralisé exactement 80% des lignes tarifaires et on a exclu 20% des lignes tarifaires. Dans les 20% de lignes tarifaires, il y a un certain nombre de secteurs qui ont été sanctuarisés et pour lesquels, évidemment, à la porte, on va conserver des mesures de protection de nos industries naissantes. Donc, c'est vous dire que de ce point de vue, le processus de démarche dans le cadre de ces accords de partenariat économique n'est pas exclusif, effectivement, de toute la dynamique d'articulation d'industries naissantes qui, à un certain horizon, vont permettre à nos pays de pouvoir s'insérer progressivement dans des chaînes de valeur. Et donc, de ce point de vue, lorsque nous libéralisons, et ça c'était la première catégorie de biens d'importation qu'on a libéralisé, ce qui permet non seulement de renforcer le bien-être de nos populations, ça a trait à des produits pharmaceutiques pour lesquels certaines des industries ne sont pas encore existantes chez nous, mais surtout, il y a tout un ensemble d'intrants liés à la production. Et donc, à partir de là, il y a effectivement des opportunités que peuvent présenter de tels accords parce que finalement, c'est de véritables vecteurs pour l'investissement dans nos pays, mais en même temps, c'est des appels d'air pour un certain nombre d'entreprises de ces pays qui vont venir tirer parti, par exemple, d'une meilleure offre énergétique, d'un certain nombre d'infrastructures qui sont en train de se mettre en place pour que l'Afrique devienne aussi un lieu à partir duquel on pourra assembler un certain nombre de biens qui sont destinés au marché international. Vous parlez des intrants, on va revenir sur ce sujet-là un peu plus tard. Monsieur Boniface, vous êtes un académicien, je suis sûr que vous le répétez à vos étudiants chaque jour. Quelles sont les conditions prérequises pour que nous puissions développer notre région à travers l'industrialisation, à travers le commerce intra-régional? Oui, merci de votre question. Alors, votre question en lien avec la fin de l'intervention de Monsieur le Secrétaire Général sur l'ouverture. C'est vrai que les théories libérales montrent que l'ouverture a un effet positif sur le bien-être. Mais je pense qu'il faut une préparation. Il faut une préparation, c'est d'ailleurs, et Monsieur le Secrétaire Général l'a rappelé de manière assez théorique, Frédéric Lys, à travers la théorie des industries naissantes, les structuralistes, préconisent une certaine fermeture, la mise en place des droits de douane, mais de manière temporaire, pour permettre aux industries de pouvoir se mettre au niveau de la compétition internationale. Alors, c'est justement ça le problème dans notre sous-région. C'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas eu une préparation, malgré le fait que les accords ont été signés avec un chronogramme bien précis, mais qu'il y a eu une forme d'impréparation sur l'ouverture du marché. Et aujourd'hui, on constate que, certes, les intrants sont
peuvent entrer en franchise de droit de douane dans ce cadre. Mais ce n'est pas là le vrai problème. Le vrai problème, ce sont les produits finis qui viennent concurrencer, les produits finis compétitifs, parfois qui ont des subventions, qui viennent concurrencer les productions nationales non compétitives. Alors, et là, je reviens à votre question. Que faut-il faire? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut d'abord identifier ses capacités, les potentialités. Parce qu'il faut une congruence entre ce que vous voulez produire et les capacités que vous avez. Alors aujourd'hui, on constate que les potentialités, ce sont des ressources naturelles. Alors, les ressources naturelles qui nous amènent vers les industries extractives. Mais il faut aller plus loin, parce qu'on ne doit pas se limiter, par exemple, dans le cas du pétrole. On ne doit pas uniquement se limiter à la vente. Il faut intégrer le secteur de l'extraction, de l'exploration, du raffinage. Il y a plusieurs pays en Afrique centrale. En Afrique centrale, il y a d'ailleurs un grand producteur de l'Afrique centrale qui n'a pas une usine de raffinage de pétrole, ce qui est un problème. Donc il faut non seulement identifier les capacités, mais intégrer toute la chaîne qui produit de la valeur ajoutée. Mais il faut également, par exemple, dans le cas de la sous-région, Afrique centrale, de manière beaucoup plus large d'ailleurs, pour analyser, pour identifier cette congruence, identifier les industries qui demandent une forte demande dans le cadre de la main-d'œuvre. Pourquoi? Parce que nous avons une main-d'œuvre moins chère. Pour pouvoir intégrer les secteurs intensément qui demandent de la main-d'œuvre, un peu comme le secteur du textile. Or, on constate, justement, dans le cadre de la sous-région, il n'y a pas eu ce travail. Vous avez évoqué le cas de l'AGOA. Il y a des études qui ont été faites et qui montrent que, dans le cas, par exemple, du Kenya, qu'il y a eu ce qu'on appelle une transformation des préférences productives. C'est-à-dire que le Kenya, avant la mise en place de l'AGOA, exportait essentiellement vers les États-Unis les produits agricoles. Mais après la mise en place de l'AGOA, c'est le secteur habillement qui a pris le pas. Ce qu'on ne constate pas dans le cadre de la sous-région Afrique centrale. Alors, vous parlez de la main-d'œuvre et c'est très important, je pense, parce que l'un des problèmes aussi du développement de nos industries, c'est la productivité. On a une main-d'œuvre abondante, mais pas toujours qualifiée, pas toujours... faire du textile... bien sûr, c'est très important, mais quand on se dirige un peu plus vers des secteurs qui demandent une main-d'œuvre plus qualifiée, des ingénieurs, etc., etc., ça devient plus compliqué. Comment est-ce que... Je suis d'accord avec vous, parce que d'ailleurs, un auteur, Gérard Grelet, expliquait la sous-industrialisation en Afrique par une déficience de certains facteurs de production, entre autres, une main-d'œuvre qualifiée. Parce que la main-d'œuvre qualifiée fait partie de ce qu'on appelle le capital humain. Il faut des investissements. Alors, pour l'instant, nous ne les avons pas, nous ne faisons pas ce travail. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà commencer par un niveau plus bas, peut-être monter en qualité ou en gamme. La Chine l'a fait. La Chine, dès le début, la Chine exportait essentiellement les vêtements, mais à un moment donné, qui nécessitent une main-d'œuvre non qualifiée. Mais à un moment donné, la Chine a commencé à se spécialiser ou a beaucoup plus produit, par exemple, la fabrication des tissus. Là, ce n'est plus la main-d'œuvre, il faut des capitaux. Donc, il faut un processus. L'industrialisation est un processus. Il faut commencer par... Par quelque chose. Par quelque chose. il faudra savoir, c'est la même question que la poule et l'œuf, c'est d'abord on met en place la main-d'œuvre ou on met en place les industries qui offriront des emplois à des gens qui ne sont pas encore... Enfin bref. Monsieur Tidjani, à la CEA, vous avez l'habitude de préconiser le commerce et les échanges intra-régionaux comme étant des catalyseurs de l'industrialisation, des catalyseurs de la transformation structurelle. Dans la réalité, dans les expériences, on observe souvent que ce lien entre commerce et industrialisation n'est pas toujours donné finalement.
Et ça va pousser certains acteurs économiques, par exemple, qui, face à un marché régional très incertain, vont se concentrer, on va dire, sur le marché local qui est bien mieux maîtrisé. Comment est-ce que, quelles sont les voies particulières que vous préconisez à la CEA pour pouvoir éviter ce genre de cas de désintégration régionale, finalement? Merci, Lovella. En fait, par rapport au marché local et le commerce, en fait, pour la CEA, effectivement, on estime que le commerce contribue au développement industriel parce que le commerce, déjà, par rapport à la concurrence, pour commercer, il va falloir s'affronter à la concurrence. Il va falloir être efficace dans ses produits. Et nous estimons qu'avec cette concurrence-là, les industries, quelle que soit leur taille, ont besoin de se développer, ont besoin d'avoir les mêmes compétences que les autres dans les autres sous-régions, dans les autres continents. Et avec ça, ces entreprises-là seront obligées de mettre les moyens pour pouvoir concurrencer les autres entreprises et aussi se développer comme les autres entités. Et également, il faudrait que nos entreprises songent déjà au marché sous-régional. Nous ne sommes pas obligés tout de suite de s'intégrer ou concurrencer au niveau international. Il faudrait que la sous-région, nos entreprises cherchent à conquérir le marché sous-régional. Nos économies sont des petites économies. Une entreprise camerounaise qui a un produit, il faudrait peut-être qu'elle songe déjà au marché sous-régional. Et là, l'intégration régionale nous permet de conquérir ce marché et aussi d'acquérir une expérience à l'exportation. Alors, l'un des défis, ou plutôt, qu'est-ce que vous diriez à un producteur camerounais du nord du Cameroun, par exemple, qui produit son riz, qui voudrait bien l'exporter dans la région, finalement, mais quand il s'agit des routes, par exemple, il y a un problème, ou quelqu'un qui fabrique, disons, du lait, des produits laitiers, l'électricité est un problème, etc. On a un problème des infrastructures qui demeurent et qui, quelquefois, freinent cette intégration régionale. Par quoi est-ce qu'il faudrait commencer? Oui, alors, les infrastructures, c'est un gros problème pour notre sous-région, l'Afrique centrale. Et là, ce n'est pas tout à fait de la responsabilité de l'entreprise qui produit, mais les représentants de l'État qui est à côté de moi en est très conscient. Il en parle souvent, d'ailleurs, et ça, c'est les prérequis, justement. On a une grande capacité de production, surtout lorsque on va vers des produits tels que les produits laitiers. Mais effectivement, au sein même d'un pays, le producteur a du mal à écouler ses produits. Et effectivement, l'État, c'est là que nous avons, que l'État a un rôle à jouer. L'État doit faciliter justement la distribution de ses produits en mettant en place des infrastructures non seulement de transport. Et vous avez l'énergie également. Vous avez des entreprises qui produisent, mais qui ne peuvent pas conserver ces produits-là. Donc c'est plutôt le rôle de l'État qui doit contribuer à ce développement-là et accompagner le secteur privé pour que justement ce secteur privé s'intègre dans la chaîne de valeur nationale, sous-régionale et également mondiale. Monsieur Basilekine, je pense qu'on vient de vous jeter la balle. On vient de dire que c'est le rôle de l'État de développer ces infrastructures. Qu'est-ce qui est fait concrètement pour adresser ces problèmes-là? Alors, je peux vous confirmer dans le cadre de ce que sont les responsabilités de l'État qu'il y a des investissements massifs qui sont faits. Il y a des investissements qui doivent justement à terme permettre à l'État de mettre à la disposition du secteur privé un certain nombre d'infrastructures, que ce soit dans le secteur de l'énergie. Vous avez dû
entendre parler de tout ce qu'on a comme barrage qui en fait est progressivement réceptionné. Au-delà de l'énergie, il y a les voies de transport routière, que ce soit financé sur fonds propres en fait de l'État ou avec le concours de la coopération internationale. Il y a également ces fibres d'interconnexion régionale. Donc il y a un certain nombre d'investissements qui sont faits et qui d'ailleurs représentent l'essentiel de la dette. Donc de ce point de vue, l'État assume ses responsabilités, bien que parfois les moyens ne soient pas toujours à la hauteur de l'immensité des investissements qu'il y a à réaliser. Merci. Donc on a de l'espoir que d'ici 10, 15 à 20 ans, on aura un changement de certains ou une disparition de certains défis, disons, que l'on voit aujourd'hui. Je vois que vous voulez prendre la parole avant qu'on... Si je demande la parole, c'est certainement pour aller dans le sens de M. le secrétaire général, mais tout en essayant de prendre une autre branche pour dire que oui, il y a des investissements. Il y a des investissements, mais nous sommes 50 ans après nos indépendances. C'est certainement peu en termes de temps, d'existence d'un État, mais c'est beaucoup lorsqu'on essaie de se comparer à d'autres pays. D'autres pays d'Asie du Sud-Est, qui avaient des niveaux de développement pas très éloignés d'une autre. Je prends le cas de Singapour. Une comparaison simple entre le PIB de Singapour et celui du Cameroun était... Singapour avait un PIB supérieur à 13% en 1960, c'est-à-dire la richesse. En 2015, le PIB de Singapour était supérieur de 900%. À celui du Cameroun. Cela pose un problème. Et on comprend à partir de là l'ensemble de le problème. On se rend compte que si en Afrique, et je l'ai dit tantôt, le coût du travail est moins cher, mais le coût de production devient très élevé à cause de tout cet ensemble. Manque des infrastructures de communication, de télécommunications, et cela alourdit la facture pour l'entrepreneur. Et donc, du coup, cela limite les investissements dans un certain domaine que nous sommes en train d'évoquer. Alors, on parle des entrepreneurs et on a la chance d'avoir un représentant du secteur privé, finalement. De votre côté, de votre point de vue, quels sont les principaux défis qu'il conviendrait, disons, d'adresser au plus vite pour pouvoir rendre ce rêve de développer nos industries une réalité ? Ok, merci. C'est le défi de la compétitivité, mais c'est également le défi de la mondialisation et de la globalisation. C'est aussi le défi du retard que nous accusons en matière de développement et en matière d'industrialisation par rapport aux autres pays. Donc, je préfère le dire ainsi, nos pays ne sont pas compétitifs. Je pense que si nous sommes régulièrement très mal classés dans les indices internationaux, ça veut dire que nous ne sommes pas compétitifs. Et donc, sur le plan industriel, vous remarquerez que la plupart des produits industriels que nous consommons viennent des importations. Et donc, si nous voulons développer notre industrie, il faut des politiques beaucoup plus volontaristes qui vont au-delà de l'orthodoxie habituelle pour viser le patriotisme économique, notamment en passant par les aspects qui sont liés aux incitations d'ordre fiscal, à la mise en place des zones économiques pour optimiser les infrastructures telles que les infrastructures sont importantes, mais il faut les optimiser pour accroître justement l'impact sur les investissements privés. Il faut également regarder les politiques d'utilisation de la commande publique, mais également l'utilisation de la préférence nationale pour viser également les aspects qui sont liés à la lutte contre le commerce illicite, parce que s'il y a un aspect qu'il faut également remarquer, c'est que nous avons des frontières qui sont tellement poreuses. Et donc, il y a beaucoup d'importations qui passent par ça pour tuer l'industrie qui se développe localement. Il faut également limiter les pratiques dumping. C'est-à-dire que vous avez des produits qui subventionnent, tel que vous l'avez dit, des pays qui subventionnent des produits qui entrent sur le marché camerounais. Donc, moi, j'aimerais peut-être insister sur les aspects liés à la préférence nationale et à l'utilisation de la commande publique. Peut-être pour dire que quoi ? Pour prendre un exemple. Regardez, nous avons chez nous le bois.
pas? Et nous avons des menuisiers qui font des meubles, qui sont bien, qui sont acceptables. Pourquoi est-ce que les administrations dans nos États ne peuvent pas commander ces meubles-là? Ce qui se passe en général, c'est que quoi? C'est que nous prélevons l'impôt chez ces menuisiers pour aller importer des meubles à l'extérieur. Ça, ce n'est pas encourager l'industrialisation. Je vais également insister sur les aspects, sur un autre aspect, c'est les zones économiques. Nous n'avons pas suffisamment de ressources. Donc, pour optimiser ces ressources, il est important de pouvoir les concentrer à des endroits. Je pense que ce sont des expériences qui ont été vécues ailleurs. Et peut-être, je souhaiterais revenir un peu sur la question des APE, sur la question de l'AGOA, mais élargir un peu au niveau du commerce international même. Peut-être pour faire trois constats. Le premier constat, ça porte sur les exportations. Ce qu'il faut remarquer, c'est que quoi? Le commerce international a tendance à inciter nos pays à exporter les produits bruts, les matières premières, les ressources naturelles à l'état brut. Ça, c'est ce qu'on constate dans tous les cas depuis près de 60 ans. Depuis près de 60 ans, nous exportons essentiellement les produits bruts. Le deuxième constat, c'est que notre base industrielle et productive est faible. Et nous passons le temps à réaliser des importations de produits industriels. Ça, c'est le constat. Et le troisième constat, c'est que quoi? C'est que, étant donné que nous n'avons pas de produits industriels, que nous avons les mêmes matières premières entre nous, nous ne pouvons pas commercer ensemble. Donc, là, à ce moment-là, il faut s'interroger sur l'impact du commerce international, sur l'industrialisation dans nos pays, mais également sur le commerce intra-régional. Parce que si nos pays n'ont pas de quoi commercer de produits, ils ne pourront pas commercer ensemble. J'aimerais peut-être rebondir également sur un troisième point, le point de la relation entre le commerce et l'industrialisation. Il peut être négatif comme il peut être positif, n'est-ce pas? Quand vous prenez les pays qui sont industrialisés, pour eux c'est intéressant de commercer parce qu'au fur et à mesure qu'ils commercent, ils développent leur industrie. Ça c'est dingue. Mais quand vous prenez des pays qui sont en retard en matière d'industrialisation, comme nos pays, comme les pays d'Afrique centrale et les pays d'Afrique subsaharienne, vous constaterez que le commerce a tendance à réduire plutôt l'industrialisation. Donc, si vous prenez les données des pays, vous allez vous rendre compte que les séries, le lien, la corrélation entre la part, le taux d'industrialisation et le développement du commerce est plutôt négatif. C'est-à-dire que l'industrie a baissé dans l'économie, alors que le poids du commerce a plutôt augmenté. Donc il faut bien regarder la contribution du commerce international à l'industrialisation et au commerce intra-régional. Et quels sont les facteurs que ces pays qui commercent de manière, qui commercent avec succès, quels sont les facteurs qu'ils ont et que nous n'avons pas? Mais dans le contexte que j'ai présenté, c'est d'abord ce retard qu'il y a. Et c'est également les aspects qui sont liés à la compétitivité. Quand vous prenez un pays avec qui nous commerçons, peut-être un pays comme l'Union européenne, est-ce que vous pouvez comparer la qualité des infrastructures de l'Union européenne par rapport à nos infrastructures? Est-ce que vous pouvez comparer la qualité des ressources humaines du pays européen par rapport à nos ressources humaines? Et ce qui est encore surprenant, c'est que quoi? C'est que parfois, on dit, nous avons mis des taux d'impôt, n'est-ce pas, identiques à celui des pays européens. Non, mais il faut pondérer cela. Parce que justement, nous sommes en concurrence avec eux. Mais ils évoluent dans un environnement beaucoup plus compétitif que le nôtre et nous avons le même taux de pression fiscale. Donc il y a les aspects qui sont liés aux infrastructures, il y a les aspects qui sont liés à l'éducation, il y a les aspects qui sont liés même au fonctionnement normal des gens. C'est-à-dire que la façon dont les gens fonctionnent, c'est beaucoup plus structuré que la façon dont les gens fonctionnent dans nos pays. Donc, et tout ça, on englobe ça dans les aspects qui sont liés à la compétitivité. Je pense qu'on pourra noter ce commentaire-là, parce que je suis sûre qu'il y aura beaucoup à dire. Avant que vous n'interveniez, l'État a bon dos, finalement, et ils doivent créer des politiques, créer un environnement favorable, créer des infrastructures. Mais quel est le rôle, finalement, du secteur privé? Nous avons les ressources, les matières premières. Selon les chiffres de la CEAC, en 2015, l'Afrique centrale a importé pour près de 50 milliards de produits. Et quels étaient les premiers produits? Des produits qui ne sont pas très compliqués à transformer. Le riz, le lait,
nous avons aussi les poulets, les poissons congelés, ce genre de choses. Alors, bon, je veux bien qu'on puisse importer des produits, certains produits qui sont plus compétitifs, mais il y a quand même quelque chose à faire au niveau national. Qu'est-ce que les entrepreneurs font ou devraient faire pour que finalement certaines de ces importations, il n'y ait pas d'importation de certains produits qu'on peut transformer localement finalement? Prenons l'exemple de riz, c'est-à-dire prenons l'exemple des importations de riz. Nous avons des problèmes d'abord au niveau du foncier. C'est-à-dire que dans nos États, la question foncière n'est pas réglée. N'est-ce pas? Donc si la question foncière n'est pas réglée, vous ne pouvez pas développer une agriculture à grande échelle pour pouvoir satisfaire les besoins des consommateurs. Ça, c'est d'un. La question du désenclavement des bassins de production, ça, c'est également un autre aspect. C'est-à-dire, lorsque vous produisez dans l'arrière-pays, vous avez du mal à transporter vos produits pour les amener en ville, pour les commercialiser. Donc, voilà juste deux facteurs sur lesquels on peut insister. Et on peut aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, on encourage les jeunes à aller dans l'agriculture. Mais il faut d'abord se poser la question. Les jeunes ont quels moyens pour aménager les terres agricoles? Donc, il y a la question même de financement du secteur de l'agriculture. Donc, il y a un certain nombre de problèmes que nous pouvons peut-être regarder sur les trois angles: foncier, désenclavement des routes et financement du secteur agricole. Si on prend le riz, ou le riz qui est, et on peut multiplier ça pour d'autres produits. En termes de financement, on a bien sûr un certain nombre de pays qui ont offert notamment des financements à grande échelle à des projets de développement du continent africain. Pourquoi est-ce qu'on ne les saisit pas finalement? Et puis deuxièmement, le Cameroun et un certain nombre de pays africains possèdent une diaspora nombreuse et souvent qui voudrait investir finalement dans le pays. Mais ces capitaux, quelquefois, ils ne trouvent pas l'opportunité, ils n'ont pas les avenues pour pouvoir investir dans le pays, ils n'ont pas l'information requise, etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup à faire, mais avant qu'on continue sur ce sujet, peut-être un mot, Monsieur Tidjani. Oui, c'est juste pour dire que je ne partage pas tout à fait son idée, selon laquelle le commerce ne favorise pas l'industrialisation. Par rapport à la compétitivité, nous pensons que c'est plutôt une opportunité pour nos pays de pouvoir relever leur niveau de compétitivité. On ne peut pas s'enfermer et dire que nous ne pouvons pas concurrencer les autres et consommer que ce que nous produisons et rester sur un marché réduit et dire que nous allons produire, l'État doit acheter nos produits et ne rien acheter d'autre. Nous devons chercher à améliorer la qualité de nos produits et à conquérir d'autres marchés. Et là, maintenant, c'est cette opportunité-là que nous donne le commerce. Nos États ont eu beaucoup d'opportunités, ne serait-ce que dans la sous-région. Il faudrait que le secteur privé profite de ces opportunités qui lui sont offertes déjà au niveau sous-régional, même si on ne connaît pas toujours les possibilités que nous avons. Même si on les a, c'est sûr que ce n'est pas très facile à mettre en œuvre. Le privé doit lutter pour que ces possibilités que lui donne l'intégration régionale, pour déjà se faire la main, comme je disais tout à l'heure, au niveau sous-régional, intégrer et s'intégrer dans la chaîne de valeur internationale. Je vous donne la parole, oui. Alors, oui, j'aime bien ce débat entre mes copanélistes, mais je pense qu'il y a une voie peut-être centrale ou transitoire. C'est-à-dire, dire totalement que le commerce aurait un effet négatif sur l'industrialisation, c'est occulter un certain nombre de paramètres, autant que dire que le commerce favorise l'industrialisation. Parce que le commerce favorise ou favoriserait l'industrialisation à condition qu'il y ait un certain nombre de variables qui suivent. On a parlé de l'éducation. Certains pays d'Asie du Sud-Est, on prend le cas de la Corée du Sud, qui est le cas le plus connu, qui s'est spécialisé dans les industries de fabrication des bateaux. On ne fabrique pas les bateaux si on n'a pas des compétences.
Donc, il faut avoir la base. Il faut avoir des infrastructures. Et là, je rejoins monsieur le représentant du JICAM. Si on n'a pas de route, on ne peut pas être compétitif même avec le poulet. Parce que lorsque la facture d'électricité du poulet, on coupe l'électricité tout le temps et que les poulets meurent, vous êtes obligé de créer un ajustement sur le prix du poulet. Et du coup, votre poulet devient plus cher par rapport au poulet importé qui fait 6000 km. Donc, le commerce peut favoriser, peut avoir un impact positif sur l'industrialisation, à condition qu'il y ait un certain nombre de variables, un certain nombre de conditions qui soient remplies. Juste pour compléter, avant de vous donner la parole, Ali Mufuruki, qui est un des grands chefs d'entreprise de la Tanzanie, s'est indigné, je pense que c'est le mot, en disant comment peut-on avoir, par exemple, les Chinois, je n'ai rien contre les Chinois, comment peut-on avoir des Chinois qui viennent dans nos pays, en Afrique, prennent des matières premières, les exportent ou les importent chez eux, les emmènent en Chine, les transforment, et la main-d'œuvre là-bas est quand même à une certaine valeur. Ensuite, les re-exportent chez nous, et ces produits sont toujours moins chers que les produits qui sont pris sur place, transformés sur place et vendus sur place. Je vous laisse sur cette pensée pendant que je prends la monsieur du JICAM. Ce que j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas dit que le commerce influence négativement. J'ai dit que le commerce peut influencer négativement comme il peut influencer positivement. J'ai dit en ce qui concerne certains pays qui sont industrialisés, le commerce influence positivement. Je vais peut-être illustrer ça autrement. Quand, si vous mettez dans une salle de classe un élève qui est à grade 1, à grade 5, les deux peuvent compétir. Mais si vous le mettez avec un élève qui est à grade 1 et grade 10, le grade 1 peut se décourager et baisser totalement les bras. Et c'est ce qui se passe avec les pays d'Afrique centrale, les pays d'Afrique de manière générale. C'est-à-dire, on est dans un échange commercial avec des pays qui sont super avancés que nous. Et du coup, on a l'impression que nos pays se découragent de pouvoir s'industrialiser, puisqu'en fait, tel que vous le dites, ils reçoivent plus facilement à des prix relativement accessibles aux populations, même les populations rurales, des produits finis, déjà industrialisés. N'est-ce pas? Alors que quand on prend au niveau de l'Afrique centrale, les pays sont relativement comparables. Le commerce peut développer l'industrialisation. Mm-hmm. L'idée, c'est que lorsqu'on prend l'Afrique, le commerce peut... Mais si on commerce avec l'Europe, il peut avoir des effets négatifs, mm-hmm. N'est-ce pas? Voilà, alors, on vous rappelle aussi qu'on a une discussion ici, une discussion en ligne. Je vais prendre juste une question de Twitter, de Abakai Aristide, j'espère que je l'ai prononcé correctement, qui demande « La concurrence sous-régionale est-elle possible s'il n'existe pas une zone de libre-échange effective ?» Qui s'y frotte? Allez-y. Oui, alors, zone de libre-échange, on peut... Déjà, au niveau de la CEMAC, la zone de libre-échange existe. Quant à l'effectivité, elle n'est pas entièrement effective, ça c'est certain. Ce n'est pas le représentant du JICAM qui va me contredire. Les règles existent, elles sont claires, les instruments existent, mais le problème est au niveau de la mise en œuvre, aussi bien au niveau des bénéficiaires qu'au niveau des autorités qui sont censées les mettre en œuvre. Cette zone de libre-échange aurait effectivement permis le développement industriel, parce qu'il y a des pays dans la sous-région, en particulier de la CEMAC, où vous avez des produits, on peut dire, finis, industriels, qui peuvent concurrencer des produits d'autres sous-régions ou même en dehors du continent. Mais comment pouvoir amener ces produits-là dans les pays voisins? Théoriquement, ce sont des produits qu'on considère originaires, ce sont des produits qui sont fabriqués entièrement à partir des matières premières locales, avec la main-d'œuvre locale, et qui devrait aller dans le pays voisin sans droit de douane.
Mais lorsque ce pays arrive à la frontière, eh bien, on dit ce pays, ce produit, il faudrait payer un droit de douane. Il y a des formulaires, il y a une procédure où on peut avoir l'agrément au niveau de la CEMAC et maintenant même au niveau de la CEAC pour que ces produits-là circulent librement. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas du tout effectif. Mais des efforts sont en cours au niveau des communautés économiques régionales pour sensibiliser les producteurs, mais aussi les autorités, y compris au niveau des frontières, pour savoir que lorsqu'un produit est estampillé CEMAC, par exemple, il peut circuler librement. Il y a aussi un élément important, et notamment au niveau des zones de libre-échange. On a un marché plus important, on a tous les problèmes, par exemple, liés au capital humain pourraient être réglés. Finalement, on a un certain nombre d'opportunités. Est-ce que vous pourriez revenir rapidement sur les opportunités de la zone de libre-échange qui, visiblement, ne sont peut-être pas claires pour tous, qui fait que, voilà, on traîne les pieds, entre guillemets, pour la mettre en pratique, Monsieur Vasilekine. Bien. Le dernier intervenant est revenu sur le régime d'agrément des produits industriels. Ça, c'est une réalité. Au ministère du Commerce, nous nous employons chaque année à préparer les dossiers de nos industriels qui, effectivement, peuvent, à la suite d'une décision qui est prise par les instances, aussi bien à la CEAC qu'à la CEMAC, de pouvoir écouler ces produits sur l'ensemble de l'espace communautaire. Mais ce n'est pas une révélation que je vais vous faire. Cet engouement-là, on ne le perçoit pas chez d'autres pays de la même sous-région. Je pourrais même dire par extrapolation qu'il y a une espèce de défiance par rapport au recours à ce mécanisme-là, qui pourtant est véritablement à leur disposition pour permettre à leurs industriels de mettre à disposition ces produits sur l'espace communautaire régional. Donc, il faudrait que nous puissions nous assurer que nous renforçons nos organisations d'intégration régionale, que les structures en charge du marché commun puissent avoir les leviers nécessaires pour mettre en œuvre les politiques et surtout les mesures adoptées par nos chefs d'État et de gouvernement, et qu'on puisse assez souvent procéder à une évaluation de la mise en œuvre de ces politiques commerciales. Nous sommes soumis à des mécanismes multilatéraux de revue. À l'OMC, nous sommes amenés une fois tous les 3 ans à présenter la revue de notre politique commerciale. Mais lorsque vous lisez et analysez les observations qui nous sont faites dans le cadre de ce mécanisme de revue de la politique commerciale, beaucoup reste à faire. Donc, c'est vous dire que, à la vérité, il faudrait que nous puissions d'abord consolider nos institutions d'intégration régionale, que nous puissions effectivement leur donner les moyens de pouvoir mettre en œuvre ces politiques communes, mais surtout que, sur le plan domestique, que ces politiques commerciales soient aussi perçues comme de véritables leviers à partir duquel une politique économique cohérente visant l'insertion de nos pays dans les échanges commerciaux puisse effectivement devenir une réalité. Donc voilà, de mon point de vue, les premiers éléments sommaires sans véritablement rentrer dans ce nombre de détails à partir desquels on peut donner un véritable élan, une certaine impulsion à la mise en œuvre en fait des politiques commerciales dans la sous-région. Oui, je voudrais dire que par rapport à la question et de manière globale par rapport à l'intervention de M. le secrétaire général, la zone de libre-échange, c'est la deuxième étape d'un processus qui commence par une zone d'échange préférentielle, l'union douanière. L'union douanière, très important, par la mise en place d'un tarif extérieur commun, l'union économique et puis l'intégration complète. Alors, si j'ai mis un point particulier sur le tarif extérieur commun, c'est parce que justement dans la sous-région, on constate que ce mécanisme n'est pas totalement respecté. Il y a des passerelles, au niveau du Tchad, j'en sais rien, mais il y a des passerelles où certains pays font entrer des produits alors que ces pays auraient dû mettre en place des tarifs
pour protéger la zone. Et donc, du coup, du moment où le mécanisme n'est pas totalement respecté, il y a une sorte de défiance pour les produits à l'intérieur, où la traçabilité, ou plutôt l'origine, n'est plus totalement garantie. Et c'est ce qui explique, comme le disait M. Tijanis, hein, cette défiance envers les produits qui sont censés être produits localement. Alors peut-être qu'il faut créer un système de visa, hein, les États-Unis l'ont fait, pour essayer de tracer réellement l'origine des produits et montrer que ces produits ont été effectivement fabriqués à partir des matières premières ou des intrants provenant de la sous-région. Et comme le disait Monsieur le Secrétaire Général, cela favoriserait certainement une concurrence, ou certes petite, mais une concurrence quand même entre les industries de la sous-région. Revenons à vous, Monsieur le Secrétaire Général. Vous avez touché sur l'importance de l'harmonisation des institutions au niveau régional. Comme on l'a dit, on s'inspire, disons, des expériences des autres régions, et notamment en Afrique de l'Est. On a eu à la fin du mois de mai à Kigali un sommet sur le développement industriel des pays membres de la communauté est-africaine, et à travers notamment le partage d'expériences, et notamment le partage d'expériences relatives au programme Made in Rwanda, par exemple. Et certaines recommandations ont été faites. J'aimerais savoir si certaines de ces recommandations pourraient faire écho finalement aux pays de l'Afrique centrale. Une des premières recommandations est notamment la mise en adéquation de ce tarif extérieur commun qui a été trouvé beaucoup trop compliqué et qu'on a simplifié notamment. On a parlé du renforcement des PPP, des partenariats publics-privés. Ils ont parlé du déploiement des capacités pour renforcer la productivité, notamment au niveau des industries. On a parlé de plateformes sectorielles du secteur privé dans les secteurs compétitifs clés qui avaient été identifiés. On a parlé aussi d'une institution régionale et non pas nationale qui est en charge de l'assurance qualité. Des standards, avoir une harmonisation un peu des règles de qualité au niveau de la région et aussi notamment de développer une politique de contenu local. On a parlé d'un certain nombre de choses, et je pense que certaines de ces recommandations pourraient faire écho ici en Afrique centrale. Qu'en pensez-vous? Alors, je peux tout simplement dire que ces recommandations, elles nous parlent. Elles nous parlent pourquoi ? Parce que on a engagé un processus déjà d'harmonisation entre la communauté économique des États de l'Afrique centrale et la CEMAC. Ça, c'est une décision de nos chefs d'État. Pourquoi ? Parce que, évidemment, en termes de rationalisation des instruments et des politiques, il est beaucoup plus préférable, en fait, que ce processus de développement de l'activité sur le plan communautaire, de l'activité commerciale, de l'activité industrielle, soit menée à partir d'un pôle unique. Et pour ce que cela implique comme économie, c'est absolument important. Mais je crois qu'au-delà, en fait, de cette première strate et de ce processus de convergence qui est amorcé, il faudrait que nous gardions à l'esprit que l'objectif final, c'est finalement la zone de libre-échange continentale. Et je crois que l'ensemble de ces bonnes pratiques qui peuvent, et je l'espère, à partir d'Addis Abeba, être diffusées sur l'ensemble des communautés économiques régionales continentales, est le pilier à partir duquel cette dynamique d'intégration devrait pouvoir être amorcée. Parfait. Avant d'ouvrir au public et de continuer avec la lecture des médias sociaux, une question ou une contribution peut-être au JICAM. Alors, on a eu en avril dernier, si je me souviens bien, le salon de l'automobile à Yaoundé qui a lancé ou qui a annoncé du moins l'introduction d'une voiture made in Cameroun. Qui sera sûrement assemblé dans les mois ou dans les années à venir, ce n'est pas précisé. Qu'est-ce qu'il manque pour qu'il y ait d'autres initiatives de ce genre? Merci. Le problème, même déjà avec les...
les voitures assemblées. Parce que on peut assembler une voiture et le prix à l'intérieur devient beaucoup plus cher que une voiture qui est importée. Donc ça c'est un problème et ça remet un peu en question la question des intrants dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc certes, quand nous sommes dans le contexte par exemple des APE, ce que nous observons auprès de nos entreprises déjà, c'est que il y a des intrants qui entrent, mais il y a également des produits finis qui entrent directement. Alors, quand nous avons des industriels qui, à partir de ces intrants, fabriquent des produits similaires, ils se rendent compte qu'ils vendent ce produit similaire beaucoup plus cher, ça leur revient beaucoup plus cher que les produits qui sont directement importés, qui sont finis. Donc, il y a un problème, et ça c'est un problème réel de compétitivité. Voilà. Donc, merci beaucoup et merci à tous pour vos contributions. On continue à utiliser votre expertise et on va ouvrir à notre public. Nous avons quelques questions de ce côté-ci. Le temps que le micro bouge, on a un commentaire de M. Makebel Hervé. Qui demande si les récents accords signés avec le FMI ne mettent pas à mal la construction des industries au Cameroun, par exemple. Alors, par rapport à la question sur les récents accords entre le Cameroun et le FMI, ces accords viennent tout simplement asseoir une idée qui existe, même pas une idée, une réalité. C'est que le Cameroun a des difficultés économiques. Et ces accords nous mettent clairement sous ajustement. Parce que ces accords nous disent, nous donnent, et qu'est-ce qu'être sous ajustement? C'est nous mettre en place un ensemble de préconisations, de bonnes pratiques, pour espérer rétablir un certain nombre de grands équilibres. Le Cameroun a depuis près de 17 ans une balance des paiements déficitaire, c'est-à-dire le Cameroun vit au-dessus de ses moyens. Le Cameroun a une dette dont le rythme de croissance est galopant. Donc, évidemment, dans ce contexte, on aurait aimé que le Cameroun, après s'être endetté pour financer les projets, un ensemble de projets, les projets structurants, que ces projets commencent à, j'allais dire, produire. Mais pour l'instant, je crois qu'il n'en est pas là. On ne constate pas, on ne voit pas grand-chose. Peut-être que ça viendra. Alors, par rapport à la question de manière précise, oui, les accords du FMI viennent mettre un peu en déroute l'idée sur le financement des industries, même si la priorité pour le FMI, ce n'est pas de limiter les perspectives de croissance, mais c'est plutôt augmenter les perspectives de croissance, mais en orientant le Cameroun vers une meilleure gestion de ses ressources. Un commentaire, Monsieur Tidjani. Oui, alors ce problème n'est pas spécifique au Cameroun. Si vous vous rappelez, en décembre, les chefs d'État de la CEMAC se sont réunis à Yaoundé et ce sont eux-mêmes qui ont décidé de la nécessité de se réajuster. Donc, cette nécessité de transformation structurelle que la CEA a répété en longueur d'année, eh bien, les chefs d'État ont estimé qu'il est temps que les États commencent maintenant à faire la vraie transformation structurelle, donc de faire un réajustement. Donc, le Cameroun est tout à fait en ligne avec les autres États membres de la sous-région Afrique centrale. On avait plusieurs questions. Qui a le micro? Oui, merci de me passer la parole. J'ai quelques compléments d'information et puis des questions au panel. Lorsqu'on regarde les différentes thématiques qui ont été abordées, on a beaucoup parlé d'industries classiques, conventionnelles, le riz, le poulet, l'agro-industrie, etc. Et on a occulté complètement une industrie nouvelle qui est la transformation digitale, l'économie numérique.
Vous êtes bien placé pour le savoir parce qu'un pays de la sous-région en tire profit, c'est le Rwanda. Rwanda qui est premier dans la sous-région, puisqu'en plus le Rwanda vient de créer un fonds de 100 millions de dollars ou d'euros, je crois, qui est dédié aux start-up. Donc on voit bien qu'ils misent là-dessus et ça crée quoi ? De la richesse, ça tire le PIB, etc., etc. Et on voit que nos panélistes n'ont pas du tout abordé ce côté nouvelle technologie qui peut peut-être paraître encore ubuesque ou alors lointain, mais qui va vous dépasser et qui vous dépasse déjà. Et pour preuve, en 2020, il est prévu, d'après une étude de McKinsey 2015, qu'il y aura à peu près 400 milliards de dollars dans la consommation, au niveau de l'Afrique. 400 milliards de dollars. Dommage que ce soit les autres qui vont peut-être nous produire ces biens de consommation. Quand on regarde la population africaine, il suffit de se lever et de regarder, on a ici que des jeunes, ce qui veut dire que la population africaine, elle est connectée, que 70% de la population est âgée de 30 ans, donc on voit bien que c'est une économie qui va vers eux. Donc je pense qu'il faut sortir des carcans des économies classiques. Je ne dis pas qu'elle n'est pas importante, bien au contraire, c'est le cœur de notre richesse, mais on s'occulte de nouveau d'une opportunité. Vous citiez tout à l'heure Singapour. Il y a 30 ans, Singapour était comme l'Afrique. Regardez Singapour aujourd'hui. À votre avis, est-ce que l'économie des savoirs ne fait pas partie de Singapour ? À mon avis, si. Par contre, nous, on ne l'intègre pas. Donc, ce que je voulais dire par là, et puis c'est, je vais en arriver avec les questions que j'ai, pourquoi est-ce qu'on parle d'industrialisation ? C'est quoi l'industrialisation ? C'est la mise en place d'un processus pour développer les industries. Ça veut dire quoi ? Qu'on a un produit A, on lui donne de la valeur ajoutée, on le vend, ça contribue au PIB, ça crée des emplois. Cette économie digitale, regardez ce qui s'est passé au Kenya avec le M-Pesa, ça a créé des centaines d'emplois, des centaines de milliers d'emplois, et également des chiffres d'affaires. Mais pour créer des emplois, créer de l'industrie, créer de la valeur ajoutée, il y a deux points sur lesquels je voudrais vous interpeller. Quel est le rôle de la recherche fondamentale ? Vous ne pensez-vous pas que la recherche a un rôle fondamental à jouer pour créer, pour investir et pour certainement développer ses produits ? Première chose. Et quelle est la recherche, le rôle de la formation, on n'en a pas parlé. La formation, on a dit que la formation, effectivement, on en a un peu évoqué. Mais ne pensez-vous pas qu'il faut que ça soit mis au cœur de notre sous-région, ces deux points-là ? Merci. Merci beaucoup. On va répondre aux questions après au moins 3 ou 4 questions. Donc on a une question sur les industries 4.0, sur la recherche et développement et la formation, si je ne me trompe pas. On va commencer par ici devant. Merci. J'aurais deux questions. La première s'adresse au secrétaire général concernant l'APE. Du point de vue de l'intégration, on sait que c'est le Cameroun seul qui a signé l'accord de partenariat. Et normalement, dans un contexte d'intégration, il y a un problème. Et si ce problème n'est pas résolu, je ne vois pas comment cette position de Cameroun serait soutenable dans la durée, dans la perspective de la zone de libre-échange d'Afrique centrale. Et deuxième question, vous voyez, vous avez parlé de 20% des produits qu'on peut protéger. On les a sélectionnés en 2009, mais le PDI a été élaboré en 2016. Est-ce que vous pensez que la sélection était pertinente le moment où on avait justement fait l'APE, alors que le PDI a été fait après? Il se pose un problème, si vous voulez, de la qualité de cette sélection, vous voyez, des produits qu'on considère être normalement sensibles. Comment on a pu les identifier avant même d'avoir une stratégie industrielle? Donc aujourd'hui qu'elle existe, est-ce que vous pensez qu'elle est cohérente avec cette liste? Et si elle ne l'est pas, comment faire maintenant? Je pense que ça va en même temps en droite ligne avec la dynamique de l'intégration. Mon avis général sur cette question, c'est que le Cameroun devrait reculer si les autres ne suivent pas, parce que l'Afrique, dans tous les cas, doit être prioritaire par rapport à, je sais pas, les relations avec l'Europe. L'autre question, c'est sur l'articulation entre le commerce et l'industrie. Il faudrait que nous faisions attention parce que c'est deux politiques publiques.
L'une est une politique de production. En fait, si vous ne produisez pas, vous n'avez rien à vendre. OK ? Donc, si vous voulez profiter du commerce, il faut produire. Donc, il ne faut pas mélanger n'importe comment les deux politiques. Vous pouvez commercer même si vous ne produisez rien. C'est ce que nous faisons, c'est-à-dire on importe des tas de trucs. Maintenant, si on veut développer la production, il faut qu'on fasse attention à quel type de commerce on veut promouvoir. Qu'est-ce qu'on doit interdire, vous voyez, au plan commercial, pour pouvoir faire émerger des structures de production viables. Parce qu'il ne s'agit pas de produire. Si on produit justement des coûts élevés, ça ne sert à rien parce que c'est destructeur pour la valeur. Les ressources étant rares, il vaut mieux, vous voyez, les utiliser de la manière la plus efficiente au lieu de faire juste la forme pour dire que nous produisons quand même. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'il faut que nous soyons clairs. Si nous voulons développer le commerce intra-régional, il faut bien segmenter. La stratégie de production doit être complétée par la politique commerciale. C'est-à-dire que je produis au Cameroun parce que je veux exporter dans les pays d'Afrique centrale. Donc, je raisonne de façon précise par rapport à la demande qui est là-bas. Et un point très important, c'est qu'il n'y a plus de marché réservé. Lorsque vous prenez un produit au Gabon, il est dans un marché mondial. Ne dites pas que le marché est régional, parce que le produit concerné a un marché mondial. C'est pour ça qu'on parle donc de chaîne de valeur. Dans une filière, chaque filière est mondiale. Quel que soit le produit que vous prenez, du palmier à huile jusqu'à n'importe quel autre produit, même les produits de pêche, tous les produits ont des marchés mondiaux. Ce qui fait donc qu'il faut plutôt raisonner en termes de marché mondial, vous voyez, pour vous positionner sur un segment précis par rapport à vos avantages comparatifs. Donc, je pense que, parlant de l'industrialisation et le commerce, il faut qu'on ait une démarche structurelle. C'est-à-dire, en termes de raisonnement, qu'est-ce que nous pouvons réellement produire, vous voyez, pour enclencher la dynamique régionale de commerce. Merci. Ça ne peut pas se faire sur tous les produits. Bon. Merci pour la contribution et les questions. Je pense que le secrétaire général a bien noté. On va prendre une dernière question de ce côté-là, avant de... d'offrir quelques réponses. Merci. Je suis Eric Mani, étudiant en communication et action publique internationale. Les échanges ont été certes édifiants, mais ma préoccupation porte sur un aspect bien précis. Depuis la dynamique des accords de partenariat économique, on se rend compte que certains États ont pris la mesure de mettre en œuvre la question de la mise à niveau des entreprises. Est-ce que cette mesure-là constitue simplement une initiative qui consiste à atténuer les effets pervers liés aux accords de partenariat économique, ou alors c'est une mesure qui s'inscrit dans la logique d'inciter les entreprises locales à s'inscrire dans la dynamique du commerce international? Je vous remercie. Merci beaucoup. On va prendre quelques réponses de nos panélistes en rajoutant une dernière question des médias sociaux de Ephiom Samuel qui demande si on ne peut pas avoir, même si on a des matières premières identiques, est-ce qu'on ne peut pas commercer ensemble par une compétitivité hors coût? Je vous laisse répondre à l'ensemble des questions. Bien, merci. Il y a un certain nombre de préoccupations qui ont été soulevées, qui sont dignes d'intérêt. Et je répondrai d'abord à la première préoccupation qui a été soulevée par monsieur qui, en fait, s'attardait sur le fait que finalement, on n'a pas assez parlé de l'économie numérique, qui est un véritable gisement aujourd'hui. C'est vrai,
on a essentiellement été interrogé sur des questions liées aux industries manufacturières. Mais il y a une réalité aujourd'hui, c'est que le gisement important que présente l'économie numérique fait que, par exemple, pour ce qui est du Cameroun, il y a un plan de développement de l'économie numérique qui est articulé aujourd'hui. Moi, au ministère du Commerce, j'ai pris l'initiative de monter un projet avec le secrétariat du Commonwealth pour s'inspirer des bonnes pratiques dans un certain nombre de pays anglo-saxons pour le développement du commerce électronique. Là aussi, c'est des niches qui se présentent, qui sont importantes et pour lesquelles on constate qu'il y a un vrai engouement, aussi bien de jeunes start-up locales que d'un certain nombre de leurs correspondants à l'étranger. Où il y a même un partage d'expérience, il y a un certain nombre de standards en la matière que certaines de nos petites start-up en fait, sont en train d'acquérir. On pense à ce que fait Jumia aujourd'hui et un certain nombre d'autres acteurs. Donc, de ce point de vue, effectivement, c'est une question qui est prise à bras le corps. Donc, elle n'est pas complètement occultée. Deuxième aspect, c'est comment est-ce que, finalement, on ne s'est pas également étendu sur des aspects liés à la formation et l'innovation. Mais c'est véritablement au cœur de tout ce qu'il y a comme dynamique industrielle. Il faudrait que des innovations soient brevetées et c'est sur la base justement de ces brevets qu'un certain nombre de pays ont pu avancer aujourd'hui autour d'un certain nombre de procédés et accumuler véritablement un certain nombre de réserves par rapport à ce qui est produit autour de ces différentes innovations. Mais en la matière, il faudrait que les schémas de formation correspondent aux besoins de l'industrie, aux besoins de ce que est l'outil productif. Et sur cette base-là, il y a un besoin d'adéquation entre une professionnalisation des enseignements et les besoins réels de l'industrie. Et donc, c'est un couple qui va ensemble et qui fait que, par exemple, pour ce qui est des pouvoirs publics au Cameroun, il y a une mise en place d'un ministère des enseignements professionnels, mais en même temps aussi dans les contenus, dans les curricula, en fait, de certaines universités aujourd'hui, il y a un accent qui est mis, en fait, sur la formation professionnelle et l'innovation de ce point de vue est également promue. Sur les APE, Monsieur Babisakana a parfaitement raison. Lorsqu'il dit qu'on a eu à traiter, dans le cadre de cette analyse, des 20% des produits exclus de la libéralisation, bien avant que le plan directeur d'industrialisation soit arrêté. C'est vrai. Mais dans le même temps, le plan directeur d'industrialisation prend en compte un certain nombre de ces secteurs pour ce qui est des filières prioritaires, des filières dites de croissance, qui sont essentiellement adossées sur le potentiel national, que ce soit par rapport au cuir, que ce soit par rapport au textile, que ce soit par rapport au coton, que ce soit par rapport au bois. Et donc, c'est un certain nombre de ces secteurs qui également, dans le cadre de l'APE, ont été progressivement exclus. Et il me semble que il n'est pas complètement à exclure qu'on puisse revisiter cette liste d'exclusion le moment venu, mais notre APE a été assorti d'un certain nombre de clauses de rendez-vous. Donc, sur certains de ces aspects, il ne faut pas dire que la messe est complètement dite. On a la possibilité de revenir sur un certain nombre de points qui ont été ainsi identifiés, de façon à ce que le processus de mise en œuvre de l'APE se fasse le plus harmonieusement possible. Le dernier point sur lequel j'aimerais intervenir, c'est le fait que, effectivement, la production aujourd'hui, par rapport à ce qui peut se considérer comme étant un échelon régional, doit plutôt mettre l'accent sur l'échelon mondial. Mais ne perdons pas de vue un autre aspect qui me semble important, c'est que la compétitivité acquise en fait à l'échelon régional prépare les entreprises à s'attaquer en fait au reste du monde. Et donc à partir de là, on peut dire que l'échelon sous-régional est plutôt le champ d'expérimentation par rapport à un certain nombre de contraintes et de difficultés pour ces entreprises. Et à partir du moment où elles ont tiré un certain nombre de leçons
sur le plan sous-régional, elles ont la possibilité à partir de ce moment-là de se projeter avec beaucoup plus d'assurance sur le plan international. Donc, l'échelon sous-régional est important. Il est utile que nous puissions consolider les acquis ou alors développer ce qui reste à être fait sur le plan sous-régional de façon à ce que nous puissions préparer nos acteurs et nos opérateurs à l'échelon international. Merci beaucoup. Les d'autres intervenants? Alors, je vais intervenir sur un certain nombre de points, pas sur tous les points. Le premier point, je reviendrai sur la question de la vision du marché régional ou international. Je suis tout à fait d'accord, je partage ce point de vue. Il faudrait avoir une vision du marché global. Mais pour avoir une vision du marché global, je pense qu'il faut plutôt faire une analyse imbriquée. C'est-à-dire, tel que l'a dit mon prédécesseur, il faut d'abord analyser, regarder les perspectives, les opportunités sur le marché régional. Et puis, parce que même si on a une vision globale, il y a toujours la question des droits de douane qui existent dans certains pays. Mais au-delà des droits de douane, barrières tarifaires, il y a les barrières non tarifaires. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de standards. Vous pouvez faire vos chips au Cameroun, mais si vous voulez exporter les chips aux États-Unis, malgré le fait que les États-Unis, dans le cadre de la GOA, vous donnent la possibilité d'exporter ces biens en franchise de droits de douane, vous ne pouvez pas vendre sur le marché américain parce qu'il y a un certain nombre de normes. Il y a un certain nombre de normes qu'il faut absolument respecter. Alors que dans la sous-région, vous pouvez vendre vos chips au Gabon ou en Guinée équatoriale. Alors, le point sur l'économie digitale, bien sûr que cette économie ne peut pas être oubliée. D'ailleurs, avoir les investissements dans un certain nombre de pays, le Cameroun a mis pratiquement 32 milliards pour la construction de la fibre optique. Je crois que cela fait partie de la prise en compte de l'importance de l'économie digitale. Mais cela relève également une certaine forme de déficience concernant ce domaine, mais de manière plus générale, sur ce que j'appelle, ou on peut appeler souvent l'économie des réseaux. L'investissement dans le réseau, réseau électrique, réseau d'eau. Donc, de manière plus générale, l'économie des réseaux n'est pas suffisamment prise en compte dans nos pays. Et cela pose un problème. Alors, au niveau de la mise à niveau, au niveau des APE, la question sur les APE. Bien évidemment, tel qu'on l'a dit, la forme de protection mise en place dans le cadre des industries naissantes, protection temporaire, qui vise à amener les pays à un niveau de compétitivité équivalent. Cette question de mise à niveau fait partie de cette logique, c'est-à-dire faire en sorte que, dans le cadre des préparatifs à la compétition internationale, les pays doivent renforcer les capacités des investisseurs locaux ou des opérateurs économiques locaux pour qu'ils puissent mieux affronter la concurrence internationale. Sauf que, qu'est-ce qu'on constate? On constate que, dans la plupart des cas, les fonds mis en place pour la mise en niveau ne sont pas utilisés avec une plus grande efficacité. Donc cela pose, du coup, le jour où il y a ouverture, on se rend compte que la mise à niveau n'est pas effective. Alors, sur le dernier point, sur la compétitivité au coût, même si les pays ont des matières premières identiques. Alors, la compétitivité hors coût, lorsqu'on analyse les matières premières, n'est pas tout à fait évidente. Parce que lorsque vous vendez le pétrole est presque le même. C'est vrai qu'il est différent. Parce que lorsqu'on prend le cas, il y a un pétrole lourd, par exemple au Cameroun, qui ne pouvait pas, jusqu'à une date récente, qui ne pouvait pas être raffiné à la Sonara, et un pétrole léger. Mais c'est à la marge. La compétitivité hors coût a plus un sens
Lorsqu'on parle des produits manufacturés, en ce moment, on peut constater que vous avez des jus acidifiés, des jus moins acidifiés. Vous pouvez voir des consommateurs qui préfèrent des jus plus sucrés ou des jus moins sucrés. Donc là, ça a plus de sens. Dans le cas des matières premières, je pense que notre intervenant fait un peu erreur. On va rapidement permettre à deux personnes, peut-être du public, de poser d'autres questions. Si le micro peut se déplacer. Et entre-temps, Monsieur Itui Mondung qui demande si on peut songer à promouvoir des politiques de contenu local sans disposer d'un tissu industriel suffisant. Peut-on promouvoir les politiques de contenu local alors que de l'autre côté, on n'a pas d'industrie locale qui sont capables de, finalement, de satisfaire cette demande? Oui. Oui, cela fait partie de la question des intrants. Parce qu'il faut, dans le contenu, c'est-à-dire lorsque vous décidez de fabriquer, par exemple, un costume, de produire le costume, il faut que vous ayez le tissu. Sauf que vous n'avez pas de tissu. Donc, cela pose un problème de base. Donc, il faut d'abord essayer de résoudre cette question. Parce que si j'essaie d'aller dans un autre domaine, pour même restant dans le domaine du contenu, mais en évoquant un problème réel, celui des APE, on a constaté que les pays d'Afrique n'arrivent pas à exporter en Europe. Les vêtements n'arrivent pas à exporter les vêtements. Et on se posait la question de savoir pourquoi. Tout simplement parce que dans les dispositions de ces accords qui existaient déjà dans le cadre du système généralisé des préférences, c'est qu'il y avait un principe de la double transformation. Cela rejoint votre question. C'est-à-dire que la fabrication de votre costume ou la production de votre costume doit utiliser le tissu qui est fabriqué au plan local. Cette question a été levée dans le cadre des APE, dans le cadre de l'AGOA, pardon, dans le cadre de l'AGOA, ce qui fait que les pays ont plus de facilité à exporter les vêtements aux États-Unis, Malawi, Afrique du Sud, Madagascar, Kenya, que à exporter dans l'Union européenne. Donc, pour répondre à la question, il est extrêmement difficile de promouvoir la politique de contenu si on n'a pas une industrie locale de fabrication de biens de consommation intermédiaire ou des intrants. Mais est-ce que s'il n'y a pas la demande, est-ce qu'il y aura une incitation à créer de l'offre? On reviendra peut-être sur cela plus tard. Oui. Bonjour à tous. Je me nomme Yvan Merveille Basile Essiane, étudiant en intégration régionale et management des institutions communautaires ici à l'IRIC. J'ai deux questions. La première s'adresse au représentant du JICAM ici présent. J'aimerais savoir, nous avons une ville au Cameroun, un petit village au Cameroun qui est rendu célèbre par la production de son riz, notamment la ville le village de Ndop. Ndop, c'est un riz qui est Ndop. C'est un village dans la partie anglophone du Cameroun. J'aimerais savoir, que fait le JICAM pour promouvoir le Ndob Rice, pour promouvoir le Ndob Rice? Et ma deuxième question s'adresse au secrétaire général du ministère du Commerce. Monsieur le secrétaire, nous voyons, le représentant du JICAM a parlé de la promotion des meubles camerounais. Il a dit que nous avons beaucoup de menuisiers qui fabriquent de très bons meubles. J'aimerais savoir, voir à votre niveau au ministère du Commerce, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait en sorte que l'administration camerounaise ne puisse pas se tourner vers ces menuisiers locaux-là pour promouvoir la construction locale. Je vous remercie.
Merci. Encore une fois, on va répondre une fois pour toutes. On a une deuxième, une autre question juste devant. Oui. Je vous remercie. Je suis Nicodème Gononchenge, étudiant en marketing international. Moi, j'ai une remarque sur qui provient du propos du docteur tout à l'heure, parce que parlant de la question des normes, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que les produits d'occasion qui se déversent chez nous ne subissent pas, en fait, ne sont pas soumis aux normes. Parce que j'ai une petite anecdote en une seconde. Moi, j'ai vu mon père acheter un véhicule en 2010. Quand je regardais le dossier complet, je vois première mise en circulation en Allemagne en 1979 et j'étais dépassé. Et par la suite, je voudrais donc demander, et attention, on disait c'était un véhicule neuf, hein, il ressemblait peut-être à ces véhicules que nous avons dehors là. Et par la suite, j'ai une préoccupation concernant la notion de patriotisme économique que le représentant du GICAM a évoqué dans son propos. Est-ce qu'il n'est pas question aussi de voir la notion de patriotisme économique sur le plan des mentalités même chez nous? Lorsqu'on voit, même chez moi, je vois également, je prends l'exemple à partir de chez moi, je vois des exemples où la petite tasse de café préfère être allée acheter dans ce que l'on appelle des brocantes, c'est-à-dire des boutiques de produits d'occasion, au lieu d'être achetée dans une boutique et que ça a été fabriqué ici au Cameroun, ce qui se fait d'ailleurs. Je vous remercie. Merci beaucoup et merci pour cette question qui fait notamment écho à ce qui se passe en Afrique de l'Est où il y a une loi qui a décidé d'arrêter l'importation de produits d'occasion qui a créé beaucoup de tumultes notamment au niveau de des partenariats avec la Goa. Peut-être une dernière question avant de prendre les réponses. De ce côté, pour avoir un peu de... Bien, merci pour de nous avoir passé la parole. Bien, je me nomme Kwaka Mwani Alban. Donc, nous pensons, je pense que l'industrialisation locale et régionale efficiente est et doit être menée plus par l'État, mieux les politiques, que le secteur privé, tout en mettant un point d'honneur sur la relation secteur public-secteur privé. Donc maintenant, notre professeur a fait mention de Singapour. En Singapour, on a eu un visionnaire, Lee Kuan Yew, qui à un moment donné a fait l'état des lieux et a identifié les besoins du marché sous-régional avant de prendre... des mesures, mettre en place des stratégies pour répondre à ces besoins-là. Alors, ma question est de savoir, est-ce que nos politiques ont pris le temps de faire l'état des lieux pour identifier les besoins du marché local? Deuxièmement, qu'est-ce que nos politiques font pour créer et accompagner des champions nationaux? Je prends un exemple. Tout récemment, il y a eu le forum de Afrique Simbank où le président Obasanjo racontait l'anecdote concernant sa relation avec Dangote. Il a dû appeler le milliardaire pour lui dire « Ben voilà, moi je constate qu'il y a une grande demande en termes de ciment. Qu'est-ce que tu peux faire pour qu'on puisse venir satisfaire cette demande-là » Et ensemble, ils ont mis en place des stratégies. Qu'est-ce que, dans notre sous-région, nos politiques font dans ce sens-là? Je vous remercie. Merci beaucoup. On va prendre quelques réactions de nos panélistes. On va commencer par le GICAM, peut-être. Okay, merci. J'espère que vous allez me permettre de revenir sur certains points de tout à l'heure. Donc, merci à votre question sur le riz d'Ndop. Comment est-ce qu'il faut faire pour promouvoir le riz d'Ndop? Je veux faire également un constat. Si vous regardez, en général, le ministère des Commerces fait la promotion du riz d'Ndop, notamment en vendant le riz produit au Cameroun, tu vois, c'est au nord, en vendant du riz juste devant ses bureaux, n'est-ce pas? Mais
J'ai constaté, je suis allé demander le prix d'un sac de 50 kilos. Je me suis rendu compte que c'est 10 000. N'est-ce pas? J'ai acheté. Je suis allé dans un supermarché. Et je me suis rendu compte un autre sac, le même sac de riz de 50 kg, mais qui est du riz importé, qui coûtait 8 à 9 000. Donc, vous voyez, ça dit un riz qui est fabriqué peut-être en Thaïlande, qui prend le bateau, qui arrive au Cameroun, qui paye les droits de douane, parfois pas, et qui est exposé dans un supermarché avec du personnel pour vendre, comparé avec un riz qui est exposé en face du ministère du Commerce, et le riz là coûte plus cher. Donc, ça sont des pratiques dumping qui empêchent justement que nos produits locaux puissent ne serait-ce que conquérir le marché de notre propre marché. Vous voyez, si vous avez un paysan peut-être quelqu'un qui a des revenus faibles, lorsqu'il va aller acheter, il s'interroge pas sur la qualité. C'est vrai que le riz de Noble est de très bonne qualité, mais il ne va pas s'interroger sur la qualité. Il va tout simplement acheter le riz qui est moins cher. Et à ce moment-là, vous allez voir que le riz de Noble ne pourra pas prospérer comme cela devrait. Donc, ça c'est toujours pour relever des pratiques qui empêchent en fait notre secteur agricole ou notre secteur industriel de prospérer. La question relative au patriotisme économique. Je vais également prendre un exemple. C'est que nous avons actuellement une entreprise, la CTE, qui fait du thé, mais qui est en train de tomber. N'est-ce pas? Tout simplement parce que nous ne consommons pas les thés qui sont produits par la CTE. Elle est en train de tomber. Nous préférons consommer les thés qui sont importés. Pourquoi? Alors, mais la question, c'est que si on dit pourquoi, c'est que même si le thé qui est importé, il est meilleur que le thé qui est produit au Cameroun, le patriotisme économique recommande que on puisse consommer le thé qui est produit au Cameroun. Parce que c'est ce thé-là qui donne des emplois. Et si on ne se met pas dans cette logique-là, on ne pourra pas développer nos industries. Parce qu'on sera, comme je l'ai dit, on sera toujours tenté d'importer, de consommer ce qui est importé, pour la simple raison que ces produits sont faits dans de meilleures conditions, de compétitivité qui sont largement supérieures aux nôtres. Donc, la question du patriotisme économique est très importante pour notre industrialisation. Et nous ne sommes pas les seuls à le faire. Quand nous regardons, par exemple, un pays comme la Chine, vous allez vous étonner pourquoi est-ce qu'à un certain moment donné, les Chinois consomment du thé sans le sucre. C'est parce qu'à un certain moment donné, le président Mao dit le bon thé se consomme sans sucre. Et tous les Chinois consomment maintenant du thé, ils ne mettent pas du sucre. Mais l'impact, c'est quoi? C'est que ça réduit les importations de sucre. Donc, il y a le patriotisme économique qui est une notion très importante. La question des importations de la brocante, c'est également, regardez par exemple notre secteur textile. Qui peut me dire dans cette salle, nous habillons avec des produits qui sont des vestes, des produits qui sont importés. Qui a une veste ici ou peut-être un tissu qui vient de la SICA, de l'entreprise camerounaise de fabrication de tissus, n'est-ce pas? Mais parce que oui, mais une seule personne. On a une représentante ici. une seule personne sur combien de personnes, n'est-ce pas? Nous tous. Et vous avez par exemple la friperie qui a carrément tué le secteur, la friperie et les habits qui sont importés de Chine, qui a carrément mis à terre notre secteur des textiles. Et le secteur des textiles, c'est un secteur qui devrait en principe employer beaucoup de personnes. Vous avez l'exemple en Éthiopie qui emploie beaucoup de personnes. Donc il y a ce problème de commerce déloyal. Peut-être pour chuter, je reviens peut-être sur la question des TIC. Pour dire, les TIC sont certes importants, mais il faut remarquer que c'est un secteur qui accompagne le secteur réel. Si nous voulons nous développer, nous devons réaliser des taux de croissance, nous devons réaliser la croissance économique et des taux qui avoisinent les 10%. Ça suppose que nous créons de la valeur ajoutée. Et le seul secteur qui crée de la valeur ajoutée, c'est le secteur industriel. Ce n'est pas le secteur des services. Le secteur des services est là pour démultiplier le secteur industriel. Et donc nous devons bien nous focaliser, sans toutefois oublier le secteur des communications, bien nous focaliser sur la transformation de nos produits locaux. C'est comme ça, comment est-ce que nous devons accroître nos revenus et accroître le revenu
de nos populations. Merci beaucoup, Monsieur Chassem, pour vos interventions. J'ai vu beaucoup de olé au niveau du panel. Juste deux commentaires rapides qui se basent sur des faits. D'abord, par exemple, le Rwanda, désolé, je donne l'exemple du Rwanda parce que c'est celui que je connais. Le Rwanda a orienté son, ou du moins à base à présent, son développement économique sur le secteur des services. Et l'objectif est de devenir un hub pour les services dans la région, et notamment à l'occasion du Transform Africa qui a été organisé en mai, début mai à Kigali. C'était l'un des piliers, on va dire, du développement économique de demain. C'est comment est-ce qu'on saisit les opportunités des technologies de l'information et de la communication pour, après tout, accélérer, que ce soit la transformation industrielle, que ce soit l'agroalimentaire. Je vais la parole à monsieur le secrétaire général qui avait l'air de vouloir, et ensuite on aura monsieur Tidjani. Très bien. Merci. Non, c'est tout simplement pour appuyer ce que vous venez de dire. Il y a un certain nombre d'études empiriques qui révèlent aujourd'hui qu'il y a une corrélation entre le développement des services, la croissance du PIB et le développement du secteur manufacturier. C'est-à-dire que si en amont, les services ne sont pas efficients, il est tout à fait évident que la croissance que l'on recherche au niveau du PIB et le développement même qui suit de l'activité manufacturière ne vont pas précisément répondre aux besoins de l'économie. Donc de ce point de vue, et surtout, on observe en fait qu'il y a une forte dématérialisation de l'économie aujourd'hui. Tout ceci tourne autour en fait du secteur des services. Donc la création même de la richesse, et surtout de ce nombre de pays que nous regardons avec admiration, qui sont avancés, c'est des pays qui ont aujourd'hui bâti en fait leur stratégie de croissance autour de l'expansion du secteur des services. Dans ce point de vue, il y a peut-être un certain nombre de choses que l'on peut effectivement dépoussiérer. Bon, ceci étant dit, j'aimerais revenir sur des aspects liés au label Cameroun. Et merci d'avoir soulevé cette question. C'est l'une des missions du ministère du Commerce. Il ne vous a certainement pas échappé que depuis quelques temps, on a lancé un certain nombre d'activités de promotion, que ce soit autour essentiellement du cacao et du café. On a promu depuis bientôt 3 ans. Le festival du cacao, le festival du café, où l'on permet à tout un ensemble de transformateurs locaux, avec parfois des petites unités familiales, de venir présenter leur savoir-faire et surtout, à partir de là, de s'attaquer en fait à des marchés sur le plan sous-régional. Et au fur et à mesure que les standards, les étiquetages vont se raffiner, seront à mesure de pouvoir effectivement placer certains de leurs produits à l'international. Et de ce point de vue, il ne vous a certainement pas aussi échappé que, par exemple, à l'aéroport, il y a un kiosque. Il y a un kiosque qu'on a inauguré il n'y a pas longtemps. La consommation du café aujourd'hui sur le plan national, de la production nationale, elle se situe à 3% de la production. Donc c'est vous dire en fait en termes d'expansion, comment déjà nous-mêmes sur le plan local, on a véritablement besoin de s'assurer qu'on soit en mesure de promouvoir, mais surtout de s'assurer que les consommateurs se retournent en fait sur des produits locaux pour donner en fait au label Cameroun. Le label Cameroun, de façon générale, il y a une structuration aujourd'hui que nous avons mise en route pour non pas seulement viser le marché national, mais le marché international. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir signé un APE si nous ne sommes pas à mesure de pouvoir placer un certain nombre de produits nationaux, locaux, sur le marché européen. Donc, en clair, la question même de la manière dont nous pouvons tirer parti d'un certain nombre d'opportunités dans le cadre de ces accords commerciaux réside aussi dans la capacité que nous avons à développer un label national qui soit capable de résister à la compétition sur le plan international. Et ceci rejoint en fait la question des champions nationaux qui a été posée. Un champion national
c'est une entreprise qui non seulement a une certaine capacité de résilience sur le plan international, mais qui surtout développe des produits qui sont en conformité avec la mise en œuvre de la politique industrielle nationale. Et de ce point de vue, le gouvernement a mis sur pied un comité de sélection de certains champions nationaux sous l'égide du ministère de l'économie. Les critères sont en train d'être affinés et il y aura un soutien massif de l'État pour permettre à certaines de ces entreprises de pouvoir attaquer les marchés internationaux. C'est le cas de Biopharma aujourd'hui qui écoule sa production sur 17 pays et on espère que Biopharma progressivement va aller à la conquête d'un certain nombre de marchés beaucoup plus significatifs. Je vais revenir enfin sur une préoccupation qui a été soulevée relative à quid de ce que l'APE en fait a été signé par le Cameroun tout seul. Est-ce que finalement ça ne pose pas problème par rapport à la dynamique d'intégration en Afrique centrale? Est-ce qu'il ne serait pas utile peut-être de révisiter l'APE pour tenir compte de ce qu'il y a un malaise de la part d'un certain nombre d'autres pays de la sous-région? Non, nous sommes persuadés de ce que finalement on a la possibilité d'aller à un APE régional. Il s'agit tout simplement de séquencer en fait les phases de la libéralisation, les contenus des produits à libéraliser. Il y a aujourd'hui ces concertations au niveau politique qui sont assez avancées et qui font que j'ai très bon espoir à la lumière de cette réunion que le Cameroun a organisée en mars à Douala, qui jette les bases aujourd'hui de la démarche vers un APE régional. Donc, en l'état, il n'est pas à retenir ici que finalement l'APE régional ne prendra pas corps. Il finira par prendre corps à condition tout simplement qu'un certain nombre de ces paramètres-là soient effectivement réglés. Merci beaucoup. On va donner la parole à Tidjani avant de conclure. À Monsieur Tidjani avant de conclure. Puisque les États-Unis, aujourd'hui, lorsque les États-Unis parlent de America First, on parle bien de patriotisme économique. Donc l'Afrique ne doit pas en rougir. Et pour les produits locaux, je pense qu'en plus de la qualité des produits et des prix, il faudrait peut-être qu'on songe à changer nos mentalités. Il faut qu'on songe à consommer local. Nos produits ne sont pas si mauvais que ça, mais malheureusement, nous avons été formatés pour que l'on dise que tout ce qui vient de l'étranger est bon et ce que nous produisons n'est pas bon. Je pense qu'il est temps et la jeunesse qui est en face de nous est la mieux placée pour consommer fièrement africain. Et la dame s'est levée, hein. Elle est toute fière de porter son pagne camerounais et nous sommes tous fiers d'elle. Donc il y a besoin de changement de mentalité. Et la question de savoir si l'industrialisation doit être menée par l'État, effectivement, le professeur Babi Sakana l'a dit, hein, c'est une question de politique des États. Effectivement, l'État est là pour mettre les conditions pour le développement industriel et pour accompagner le secteur privé. Donc c'est entièrement du rôle de l'État. Et pour revenir au professeur Babi Sakana, effectivement, le commerce et l'industrialisation, ça va ensemble. Il faudrait bien qu'il y ait une cohérence. L'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas juste faire du commerce et dire que ça va contribuer à l'industrialisation. Il faudrait que ces deux-là soient intégrés. Et d'ailleurs, la politique aussi bien de commerce et d'industrialisation, il faut que ça soit intégré dans la politique générale de développement de nos États. Voilà. Merci beaucoup. On va donner la parole très courtement à M. Boniface. Oui, très rapidement, parce que j'ai toujours des positions iconoclastes. Je voudrais revenir sur deux points, très rapidement, sur la question du patriotisme économique. Oui, si le patriotisme économique revient à soutenir les champions nationaux à conquérir les marchés internationaux, oui. Mais si le patriotisme économique revient... Si le patriotisme économique revient à soutenir des entreprises nationales non compétitives,
cela risque de ne pas marcher parce qu'on a déjà vu ça dans le passé avec cette histoire d'industrialisation par substitution des importations. On a créé des entreprises non compétitives qui n'investissaient pas, qui avaient des rentes, et du coup, au moindre choc, ces entreprises ont fermé. Donc, il faut faire attention parce que le consommateur est un homo economicus. Il regarde ce qui est bon, il peut acheter. Ce qui coûte moins cher, il peut acheter. Donc, on est bien content de voir madame avec le tissu SICAM. Mais je pense que si SICAM avait augmenté en qualité, en gamme, peut-être que beaucoup de gens ici auraient SICAM. Si on prend le cas de l'Éthiopie, si on prend le cas de l'île Maurice aujourd'hui, l'île Maurice produit des vêtements. Si on prend le cas de Malawi, où des investisseurs chinois sont venus s'installer pour fabriquer des tissus et vendre vers les États-Unis, il faut mettre en place des structures qui puissent intéresser, qui puissent encourager les investisseurs à venir à l'intérieur du pays, investir, au lieu d'encourager les entreprises non compétitives. Et le dernier point, madame, c'est la question des normes. L'OMC voudrait que les barrières tarifaires soient supprimées. Mais l'OMC a laissé la possibilité au pays d'appliquer un certain nombre de standards, d'un certain nombre de normes. Donc, mais c'est au Cameroun, le Cameroun a mis en place la norme, mais c'est au Cameroun de rendre effectif les normes qui sont édictées dans le cadre de l'agence de normalisation. Donc, ce n'est pas la faute de la France ou de la Belgique ou de l'Allemagne qui envoie des voitures datant de 1979. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci à tous nos intervenants. Merci à vous, membres du panel. Je pense que vos contributions étaient plus qu'appréciables. Et merci à notre public qui a posé des questions, donné des contributions. Et n'oubliez pas que la conversation continue. N'hésitez pas à continuer à tweeter, à poser des questions et à participer finalement, parce que l'objectif d'une telle plateforme, c'est de s'assurer à ce que chacun, et vous êtes des acteurs primordiaux dans le développement industriel du pays et de la région, et que chacun puisse avoir ce sentiment de ownership sur ces questions-là, et savoir que c'est important, ça nous regarde et ça regarde notre avenir. Je pense que le contenu et la qualité des discussions et des échanges vont permettre d'informer notamment le comité le intergouvernemental d'experts. Encore une fois, merci. Et rapidement, sans vouloir donner un résumé, je pense que certaines questions importantes ont été touchées, notamment la question des infrastructures au niveau des politiques publiques, la question des infrastructures, la question de la volonté politique en termes d'intégration régionale qui est importante. On a parlé aussi de la nécessité de former la capacité industrielle, de former la main-d'œuvre, le capital humain au niveau du pays, au niveau de la région encore une fois, et s'assurer aussi que nos industries locales sont motivées, disons, un, à innover, deux, à suivre les standards internationaux, parce qu'après tout, l'offre doit répondre à une certaine demande, et la demande, il faut bien se le dire, en Afrique centrale, en Afrique et dans le monde, est beaucoup plus exigeante. On a une classe moyenne qui est en train de naître et d'émerger. Il faut que les industries locales puissent se tenir prêtes à satisfaire une telle demande à ce niveau. Merci à tous. Je vais rendre la parole à M. Lott pour la conclusion. Merci. Merci à tous pour cette forte participation. Avant de donner quelques indications pratiques, je ne sais pas si le directeur pourrait partager une petite expérience en la matière. Time to switch to English. Okay. I think this was a very rich discussion, and I'm sure you will join me in thanking the panelists for their generosity, the depth in their thoughts,
As Novella indicated, this will contribute to refining our discussions in Douala from the 26th to the 29th of September, when we'll meet with all of our member states and the regional economic communities in Central Africa to discuss how to move from a vicious to a virtuous cycle. So today we've had lots of evidence that we are still, to a large extent, in a vicious circle, in the sense that some of the policies are not fully aligned, the industrial policy and trade policy. And this is very, very important to ensure that our strategic objectives in terms of industrialization are accompanied with our policies, trade policies. This is important at the local level as well as in the international level. When we negotiate our trade agreements, when we negotiate our bilateral investment treaties, and so on and so forth. So this is at the core, the institutional cohesiveness within the administrative machinery of our member states. But at the same time, our discussions today have shown that there are opportunities to be harnessed. The numbers that were shared here about how much money we spent in importing food all illustrate that if we have the necessary capacity and quality within our countries, we can reduce the bill that is spent in importing food items. So there is an opportunity in local market. The regional integration also offers both opportunities and challenges. How to address those problems is part of what we want to discuss in Douala. But it is clear that without a larger market, which can allow us to generate the necessary economies of scale, we will not be able to compete. And again, the panelists have underscored quite clearly here that we are talking about being competitive. We can protect our infant industries for a certain period of time, what we call the sunset period. But it is part of a good policymaker to convey the messages to our entrepreneurs that this is just a window for them to develop the necessary capabilities in order to be competitive globally. So I think the messages here were very clear. One important issue to take home is that indeed is a circle. You cannot have half measures. If you want to become competitive, you have to address both the binding constraints, namely infrastructure, the quality of your manpower, as well as, I mean, investing in other important opportunities. Your reference, Laurent, to the IT, the digital transformations, and so on. So it is a circle. And we have to understand exactly where we are in all of that circle and harness the opportunities accordingly. The notion about the value chain, that we don't have to specialize in everything. We have to be to specialize in the areas in which we can have competitive advantages. So thank you very much for this opportunity to be at ERIC again. We will come back again and again and again, because you are a very, very, very unique community. You are the future, and some of the things that we are discussing today are to ensure that your future is better than ours. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. On n'a pas oublié tous ceux qui ont tweeté et j'aimerais les mettre en avant, quelques noms.
Aqueli Victor, nous avons Vic, nous avons Abakaï Aristide, Ephiom Samuel, Itumundung, nous avons Makebel Hervé, Ekos A et bon Daniel. Merci à vous tous, merci d'avoir participé à la discussion en ligne, continuez à discuter. Et bien sûr, chose promise, chose due, vous pouvez voir mon collègue Lotte pour un petit souvenir de cette conférence débat. Merci à vous.